questions because I don't watch co-op runs very often. So I'm just going to be asking dumb questions all the time. You're on. Hey, what's up? Oh, wow. All right. Mic check. Are we good to go whenever we're ready? Yes. Is mine working? Say something. Good? Yep. All right. We're just waiting for the load right. Allo le plateau. Start introducing this run. I'm Mr. Monopoly. I'm Rudy T. We're going to be doing a co-op run on easy, much like Perfect Dark and GoldenEye that you guys watched just before. Le run va bientôt se lancer. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, j'ai juste relancé le stream deux secondes. Okay. Je vais vérifier que ça arrive. That do them on easy and legendary at HaloRuns.com. I did a Halo 2 legendary run last year, and co-op on Halo 1 or Halo 2. Co-op on Halo 2 Legendary doesn't really work. It's if one player dies, both die, and it makes it where a lot of the tricks aren't very fun. So we're gonna wait for this load to start, and we're gonna just jump right into the speedrun. Try to go fast. Alright. Okay. You'll notice at the start, I don't know if you can see my hands, but there's a trick. I'm gonna be playing both controllers. GoldenEye runners think they're cool because they can do two joysticks. I do four. It's all good. So this first trick saves 50 seconds. I might not get it first try. I probably won't, but I can try it three. Oh, time starts now, by the way. Okay. I can try it three or four times and still save time, so I'm going to. But if I get it first try, I'll just be God Gamer. First try, God Gamer, let's go. Alright, so you have two frames to do that trick. What's happening is the doors are closing as you're leaving. That tram is, you're never supposed to keep up. Ok, donc salut tout le monde, le bonjour. On est parti sur Halo 2. Donc, Halo 2 qui se jouera donc le mode coop avec Monopoly et Rudit qui correspondent de toute façon à leur pseudo Monopoly à gauche, Rudit à droite sur votre écran. Donc, Halo 2, suite de Halo 1, préquel à Halo 3, bien entendu. Et bien en termes de speedrun, par rapport à Halo 1 que vous avez pu voir notamment à la GDQ 2014, permet de nouvelles techniques de speedrun que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et Romy aussi, une fois qu'il m'aura rejoint. Donc voilà, plusieurs techniques. Ici, donc l'intérêt de finalement du run co-op, ça va être de pouvoir tuer bien plus facilement certains ennemis, beaucoup plus vite, évidemment. Ça va faire gagner pas mal de temps. Il y a aussi quelques tricks qui jouent, notamment avec les différentes hitbox des deux personnages. Mais vous allez pouvoir ça un peu plus tard. De toute façon, on est parti pour maximum, vraiment maximum 1h35. Je n'ai malheureusement pas les yeux sur le world record. So I forgot a gun here, but Rudy's gonna... Let me go in front. Yeah, I got you. I'll be around. You go. Hop. Bon, voilà pour commenter. Il y aura toujours les deux minutes de délai avec le chat, hein, désolé, mais bon, on peut pas faire autrement. Pour info, le World Record, il n'y a qu'une seule run co-op en fait qui a été enregistrée par les mêmes joueurs qu'on a actuellement. Donc, exactement. Je sais pas du coup si ça avait été dit, mais là le speedrun étant facile en easy. Oui. Voilà. Donc les deux runners, Mister Monopoly qui est très connu pour avoir fait une run magnifique de Halo 2 en légendaire par contre à la GDQ 2014. Tellement fait remarquer que Bungie dans l'édition Master Chief Collection qui est sortie il y a quelques mois en novembre ont fait plusieurs succès liés au speedrun dans Halo 1, 2 et 3 et 4 et celui du 2 est nommé après lui. Donc il faut finir tous les niveaux du jeu en légendaire en moins de 3 heures. Et ça donne le succès Monopoly. Donc c'était il était très fier d'avoir ça de la part de Bungie pour le type trivia. Alors je vais mettre le chat, même si comme je l'ai dit, prenez en compte que votre question j'y répondrai que 2 minutes plus tard. C'est ça. Sauf si je réponds à l'écrit. Ouais. Alors, du coup, en coop, il n'y a pas de grande différence avec le speedrun en solo. Si ce n'est qu'évidemment, bon, ils vont tuer les ennemis plus vite. Mais le world record en un seul joueur n'est qu'à 1h21 et 32 secondes. Donc bon, il n'y a pas une si grande différence que ça. C'est juste qu'il y a certains tricks qui vont pouvoir être optimisés par le fait qu'on a deux joueurs au lieu d'un seul. Donc là, pour le point scénario,
On est revenu de Halo, l'installation 04, si je me souviens bien. On est sur Terre, on était en train d'avoir une petite cérémonie, et les Covenants attaquent la Terre. Donc là, on est pour l'instant sur la station spatiale, et on apprend qu'une bombe a été posée, donc on est en train de se battre pour pouvoir la désamorcer. C'est ça. Voilà. Et alors, voilà la bombe. Voilà, voilà, voilà. Donc là, les cutscenes du charisme. Alors, là, on atterrit dans le deuxième niveau, le Caire. Alors le Caire, il y a beaucoup, voilà, comme on est en train de voir, de, c'est pas des out of bounds, c'est plutôt des sequence breaks. Le fait de se balader sur les toits grâce à des grenade jumps, ça permet de se déplacer super rapidement en évitant toutes les rencontres forcées dans ce niveau et d'aller quasiment à la fin. En fait, on va atterrir au bâtiment par lequel on est obligé de passer en fait par la suite. Sachant que ces techniques ont beaucoup évolué parce qu'à la base on faisait pas tous ces grenade jumps, ils ont été trouvés au fur et à mesure. Donc voilà, on arrive directement à l'hôtel. Zanzibar. Il y a des tricks qui sont utilisés en solo qui ne vont pas forcément être utilisés autant en coop. Donc là, comme on peut le voir, il y a des switches de manette, pardon. Donc là, en fait, ils sont en train de faire le Swordfly. Alors le Swordfly, je sais pas si tu veux expliquer, peut-être que c'était des notes par rapport à ça, moi je les ai pas sous les yeux. Alors oui, le Swordflying, donc ça nécessite d'avoir déjà des ennemis, une épée et une arme de prise. Et donc en fait, c'est assez simple, il suffit d'appuyer sur exactement dans cet ordre. Y, X et trigger droite, enfin gâchette de droite, pardon, et il faut que le réticule, pardon, soit rouge, et en fait, ça va tout simplement eh bien, vous permettre de voler grâce à l'élimination de l'épée, puisque l'épée donc est une nouveauté de Halo 2. Oui. Dans le 1, et qu'il y a une animation qui fait avancer très vite le Master Chief d'un coup. Et donc il y a deux techniques de speedrun qui se basent là-dessus, donc il y a le Sword Flying et le Sword Cancelling, ouais, qu'on verra un peu plus tard. Ouais. Alors là, il a fait exprès de profiter des chargements qui sont présents dans tous les Halo. Il y avait un Warthog qui a spawn là où était resté Monopoly. En fait, actuellement, il n'y a pas de qui est qui, parce qu'en fait, comme j'ai expliqué, ils changent de manette. Là, actuellement, Monopoly est en bas, alors qu'à la base, il était en haut. Bref, en gros, ils ont pris le Warthog, et avec le loading qui a fait le chargement du Spartan vers l'autre, bah, le Warthog a été aussi téléporté, parce que le Warthog est nécessaire pour la suite, parce qu'ils vont avoir besoin de la tourelle. Et là, on va voir un autre petit trick normalement sur l'écran du dessous. Le crouch jump. Alors le crouch jump, c'est relativement facile. C'est tout simplement de s'accroupir alors qu'on est en train de sauter, afin de pouvoir justement atteindre des hauteurs un peu plus élevées du fait que notre modèle physique, on va dire, soit plus petit. Donc là, il a juste montré comme quoi le scarab passait juste au-dessus de nous, c'était juste pour le fun. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une technique utilisée avec le Ghost, qui au moment où on active le turbo, oui, il suffit de laisser appuyer sur A et regarder vers l'arrière pour monter le nez du Ghost. Oui. Et pardon. Ah, on a perdu mamie. Pardon, oui, ça permet d'aller beaucoup plus vite sur certains sauts. D'accord. Alors là, on est en easy. C'est la main dans le slip, comme tu dis, JPS. On n'est pas en légendaire. Un speedrun en coop légendaire n'aurait pas de gros intérêt parce que c'est déjà assez difficile seul, alors à deux, avec les chargements infinis, ce serait n'importe quoi. Là, le fait que la coop soit faite en easy, c'est justement pour pouvoir profiter au maximum de la difficulté facile et de faire des démonstrations de techniques qui ne peuvent pas normalement être faites seul. Alors, je vois dans le chat qu'on dit qu'il aurait pu faire la run sur la version anniversaire. Il faut savoir que, donc, notamment, le sort Flying Glitch n'est faisable que sur une version qui n'a pas été mise à jour.
vu que ça a été corrigé. Donc dans la version anniversaire, le glitch n'est pas possible. Il y a que Halo 1 au final dans le Master Chief Collection et dans la version anniversaire de base où ils n'ont corrigé aucun glitch et aucun exploit. Mais sur Halo 2, ouais, ça avait été fixe. Parce qu'il faut rappeler qu'Halo 2 était le premier à avoir été sorti avec les fonctionnalités du Xbox Live. D'ailleurs, c'est lui qui a révolutionné le FPS online, on va dire, sur console, encore une fois. Sinon, je vois les fans de Quake, etc., me tomber dessus. Donc c'est pour ça qu'il y avait des mises à jour, etc., qui avaient été réalisées. Donc là voilà, le Warthog en question qui a été amené jusqu'au bout du tunnel, c'est une petite balade. Normalement on prend le tank ici hein, quand on joue en casu. Mais... D'ailleurs la petite anecdote pour Xbox Live, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est que le Xbox Live de la Xbox, quand il a été coupé, est resté en vie je ne sais plus combien de temps justement à cause de Halo 2. Très longtemps. Il y a des joueurs qui continuaient de jouer dessus pendant plusieurs jours il me semble. Il y avait un bouquin très informatif qui avait été donné... par une chaîne de jeux vidéo dont je tairai le nom, quand on avait précommandé Master Chief Collection, et je crois qu'ils l'ont coupé en 2012, je crois. Ça me semble que c'est ça. C'est un truc comme ça, mais voilà, les statistiques de frag sur Halo 2, sachant que c'était un jeu Xbox One, enfin Xbox première du nom, pardon, c'est assez hallucinant quoi. Mais évidemment, Halo 3 sur Xbox 360 est le plus joué de tous les temps, après, ça, c'est sûr. Donc là, voilà, des choses qu'on n'est pas censé faire avec un Warthog, mais c'est la physique du jeu, on peut le faufiler un petit peu partout. Normalement, on est censé choper un nouveau ici après avoir tué les premiers ennemis, sauf que là, bah, nous, on arrive directement à cette phase avec le Warthog. Donc c'est vraiment, comme je disais, la balade de santé. Normalement, tout ça, en casu, vous tuerez tout le monde, bah non, eux, ils passent, ils vont aller directement à la phase citadine, du niveau. Et normalement on va voir le prochain gros trick, le super jump. Alors ça c'est pareil, j'ai pas toutes les données techniques, je vais te laisser l'expliquer après. Pendant qu'il y a le hijacking de Phantom. Super jump qui est un petit peu complexe, on verra un peu plus tard. Donc là ils ont timé, ils ont essayé de timer, il a échoué malheureusement. Il a essayé de timer son boost et le tir pour pouvoir tirer dans le corps du drop, sauf qu'il a raté a priori. Le super jump ce sera juste après cette phase pour pouvoir atterrir sur le scarab qu'on a vu un peu plus tôt. Donc on l'a du coup, ils sont obligés d'essayer de tirer dessus. Oh là là, ils disent qu'ils sont plus sur le world record pace, mais bon là, on s'en fiche un peu, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. L'histoire est quand même, l'exécution est assez complexe, surtout en coop du coup. Voilà, c'est ça, c'est le fait que quoi qu'il arrive, si on peut penser qu'en deux joueurs c'est plus facile, mais non, en solo on fait ses tricks soi-même. On avait un petit grenade jump sur l'écran du haut. Voilà, hop, sur le poteau. Ça marche grosso modo comme dans Halo 1, les dégâts d'expulsion. Oui. Ah, il a tenté, il a échoué en bas. Alors là, par contre, il va essayer d'écouter. Pouvoir le faire de son côté, Monopoly. C'est bon. Hop, ok, lui il a fait en grenade jump. C'est dommage que Rudit n'ait pas réussi le super jump, on aurait pu vous l'expliquer. Mais en gros, le super jump ça consiste à tout simplement faire un saut. Et pendant certaines frames, en fait, vous êtes considéré comme étant pas physiquement à l'endroit où vous êtes censé être. Et par une certaine manipulation, bon, je n'ai plus les inputs, justement, vous pouvez faire un saut qui vous explique beaucoup plus haut que d'habitude. Et ça vous aurait permis de l'atterrir directement sur le scarab. Et bon, là, avec le grenade jump qu'il a fait, bah, on arrive directement, on tue les élites et ça mettra fin à la mission. Le principe du super saut, c'est un principe qui existe dans beaucoup d'autres jeux. En fait, comme tu disais, la présence physique de Master Chief disparaît pendant quelques frames. C'est pour ça que certains runners préfèrent jouer sur PAL ou sur NTSC, parce que c'est pas tout à fait les mêmes frames. Ouais. Et en fait, c'est simplement le Master Chief, donc, dans ces frames-là, si vous arrivez à le faire rentrer dans un polygone de décor ou de quoi que ce soit qui n'est pas le Master Chief, il va se faire propulser tout bêtement parce qu'il n'est pas censé être dans le mur par exemple, et donc ça permet de, comme tu disais, de sauter
les plus hauts, sachant que ça marche mieux si on le fait, si on combine ça avec bah, le fameux saut accroupi qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors là, on est avec l'arbiteur. Donc l'arbiteur, c'était l'élite qui était censée être responsable de l'installation 4 d'Halo. Vu qu'il a échoué, il s'est fait déchu, et maintenant il est chargé de faire le mauvais boulot des prophètes. Donc là, en l'occurrence, on doit aller chercher l'hérétique. Donc ça, c'était une des autres très bonnes additions d'Halo 2, le fait de voir un peu aussi les campagnes du côté Covenant. Sachant que le gameplay est complètement différent, il y a le Overshield, mais eux, ils avaient la capacité de se rendre invisible. Et bon, évidemment aussi, les armes sont purement Covenant. Alors, on nous demande est-ce que les tricks sont possibles sur la Master Chief Collection. Oui, en fait, bah, en tout cas sur Halo 2, seul le sword flying, n'est pas possible. Sinon, les autres n'ont pas été corrigés. Notamment le sword cancel. Le sword cancel qui est très utile, on va le voir lors d'un boss fight un peu plus tard contre l'hérétique, justement. Donc là, on doit juste survivre à ce dropship. C'est certaines phases comme d'habitude en FPS. On doit juste attendre là que les portes s'ouvrent pour les spawns d'ennemis des grunts. On va les tuer dès qu'ils vont apparaître sur la porte. Et là, voilà, on reçoit des renforts et on va pouvoir aller plus loin dans l'édifice. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, ils peuvent se répartir. Alors en bas, ça c'est donc Rudit, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Il faisait l'exploration, je crois qu'il a juste montré, c'est un easter egg avec... Il y a des taches de sang qui me font un message en bas avec le T-Rex, il me semble. Enfin pas le T-Rex, c'est autre chose, mais un message en gros là juste à sa gauche. Pendant que en gros Monopoly fait tout le boulot. Ouais, en fait voilà, c'est grosso modo en fait dans Halo ce qui va se passer, enfin dans cette run pardon, ce qui va se passer, c'est-à-dire que dans Halo, pour ceux qui n'y auraient pas joué, lorsque vous atteignez un checkpoint, le deuxième joueur est directement téléporté près de vous et du coup bah, là c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que Reddit se permet de faire de montrer pardon les easter eggs, des trucs comme ça. C'est pour ça l'intérêt de cette run en fait en marathon, c'est que ça nous permet de pas perdre de temps et de montrer quand même les petits easter eggs à droite à gauche que Bungie a mis dans le jeu. Ouh, il a failli mourir Monopoly là. Donc oui, pour me corriger, Monopoly était à droite, hein. Et, je disais à la gauche, mais enfin bref. Ah oui, à la cam, oui. Voilà. C'est celui qui n'a pas de bonnet. Voilà. Et qui a une grosse barbe depuis la dernière fois. En un an, elle a bien poussé. Ah oui, il y a un vote enfance. Ça rapidement, donc lors des combats, il y a plusieurs techniques. En fait, il faut savoir que quasiment la plupart de tous les glitches de Halo sont basés en fait sur les cancels d'animation, parce que le Master Chief forcément est un personnage lourd et a des animations longues. Et notamment en combat, alors c'est des techniques qui sont invisibles à l'œil nu mais qui marchent. On peut par exemple tirer deux fois plus vite ou faire deux rafales très rapidement en faisant des combos RRX, ou des fois il suffit de faire par exemple voilà, appuyer deux fois sur la gâchette, appuyer sur X, puis YY, deux fois la gâchette X, YY, etc. Ouais. En fait, les rafales vont aller beaucoup plus vite. Pareil pour les grenades, les attaques de mêlée et le reload, parce qu'il faut savoir que le reload, l'arme est considérée comme reloadée au milieu de son animation. Ouais. Et donc, si on appuie sur YY très vite, en ça fait un c'est simple. Pour le reload, à partir du moment où on voit que les balles ont été rajoutées dans le chargeur, ce qui est notamment visible surtout pour l'AR, le BR et le sniper, vous pouvez en gros faire un coup de crosse ou quoi que ce soit qui annule l'animation vu que les balles ont été mises dans le chargeur et commencé à tirer, quoi. Alors là, vous avez pu voir, ils ont bâché tous les corps qui étaient à terre. C'est parce qu'en fait, ils veulent éviter que les floods les infectent. Donc ça pourrait devenir problématique, surtout en légendaire. Donc là, ils ont pris l'habitude de garder ce réflexe. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait, même s'ils sont en facile. Excuse-moi, pour répondre à la question, le coop n'est pas plus compliqué. En fait, il n'y a aucun balancing fait. C'est la même difficulté. Il me semble même le même nombre d'ennemis, c'est juste qu'on peut jouer à deux. Voilà. Alors pour reprendre les combos dont on parlait, le plus connu et le plus facile à reproduire sur Halo 1, c'était le fait de faire un double coup de crosse. Pour faire le double coup de crosse, il suffisait de faire coup de crosse, grenade, coup de crosse. Et selon la rapidité à laquelle on faisait les inputs, ça faisait du one shot en multijoueur.
C'était assez comique. Et surtout très utile aussi en solo. Donc là, les floods se font ouais, à l'épée, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Les sentinelles, c'est pareil. De toute façon, on est en facile, donc il suffit d'avoir le scout rifle pour faire les dégâts. Alors là, je me souviens de la run de Monopoly où il s'était fait troller par l'IA qui avait envoyé une grenade et qui l'avait tué lui-même. C'était assez rigolo lors de la run. Mais bon, là. A priori, il a pas envie de tuer les autres élites. Il fait confiance. Bah, de toute façon, ils sont à deux, donc c'est sûr que je doute qu'ils arrivent à les tuer tous les deux. Ah, si, si, ils ont quand même décidé de les tuer. D'accord, bon, ils vont quand même les tuer, j'ai rien dit. Ils veulent pas prendre de risques. Une grenade est vite arrivée. Donc, ça, c'est les phases ascenseurs. Hein. Bon, pour ceux qui étaient là depuis tout à l'heure dans Vanquish, les monorails, les portes et les ascenseurs. Voilà, voilà, c'est un ascenseur géant sur un monorail. Voilà. Mais ouais, en gros là tout ce qu'il y a à faire c'est attendre que c'est une espèce de librairie 2.0 pour ceux qui ont joué au 1 qu'il charge en fait les différentes données sur la plateforme centrale. Il y a des floutes qui sortent des murs et du coup on doit attendre que tout se libère pour pouvoir continuer vers le bas. Alors oui, il y a le friendly fire en mode coop, il y a le friendly fire dans tous les Halo en fait. Mais comme on disait, le mode facile fait que le bouclier descend beaucoup moins vite, donc pour qu'ils se tuent entre eux par erreur, il faudrait quand même y aller. Ouais, par contre, il se recharge aussi relativement beaucoup moins vite aussi. Ah bah tiens, il est en train de le préciser là, l'audio qui joue justement sur la version entre guillemets vanilla, où tous les glitches sont possibles. But they re-released this game for its 10-year anniversary in November, and it's called the Halo Master Chief Collection. Ah, il parle de la Master Chief. Ils disent, ils expliquent pourquoi ils ne runnent pas sur Master Chief Collection, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de lag, et malgré les fixes qui ont été déployés par la Team 343, le jeu n'est toujours pas optimisé pour le speedrun. Voilà. Sûrement qu'un jour ils s'y mettront. Oui, c'est vrai que là pour l'instant, Halo Master Chief Collection, quand il est sorti, il y avait vraiment besoin de beaucoup trop de choses, notamment multijoueurs, mais bon là après ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour avoir fait le Anniversary et après le 1 encore sur Master Chief Collection, lui il est exactement identique. Non, là, il est en train de faire un petit coucou aux devs qui font vachement attention à la communauté speedrun de leur jeu. Voilà. Ça fait toujours plaisir, surtout pour des jeux aussi, on va dire, aussi connus. Ouais, surtout comme là, il était en train de le. Il l'a pas dit, mais il faisait référence. Les défis, enfin les succès qui incitaient justement les joueurs à finir tous les niveaux, voire toute la campagne en moins d'un certain temps. En fait, il faut savoir que depuis l'anniversary, il y a des défis en part, donc le part-time. Donc par exemple, c'est en général 15 minutes. Le niveau le plus long, je crois que c'est 25 minutes, le part-time. Et il y a aussi un scoring à atteindre avec les crânes, les fameux skulls dans Halo que vous pouvez activer pour augmenter votre scoring. Donc encore là, un Sword Fly. Enfin, c'était un Sword Cancel, pardon. Oui. D'ailleurs, le Sword Cancel, du coup, ce sera la dernière technique que j'expliquerai, c'est promis, parce qu'il n'y en a plus. Ouais. Alors, tout bêtement, le Sword Cancel, en fait, il faut lancer l'animation. Hein. Et ensuite, on appuie rapidement sur X. Ça va normalement conceler l'impact que vous pouvez voir normalement où l'épée remonte vers le haut. Enfin, il fait une espèce de mouvement stylé. Et donc, ça ne le fait pas. Et en fait, si on fait tout bêtement R, X, puis A, mais tout en même temps, donc R plus X plus A, en fait, le R plus X fonctionne. Et en plus de ça, il va pouvoir faire un petit saut. Et on en a vu un tout à l'heure, ce qui permet de repasser directement en marche. Voilà. Ou alors on peut faire A puis R plus X plus A, et à ce moment-là on fait un saut en premier lieu, et ça permet carrément de passer par-dessus l'ennemi avec l'animation d'épée en conservant la vitesse. Un Sword Fly Cancel. C'est un peu comme ça. Mais par contre, lui fonctionne toujours, même dans les versions patchées.
Alors ici, on est obligé de faire face aux hordes de Flood. Heureusement, ils connaissent tous les emplacements de spawn, donc ça va pas être très problématique. Et encore une fois, là, ne faites pas ce qu'ils font en légendaire, hein, les armes covenantes contre les Flood, c'est le pire, la pire chose que vous puissiez faire. Et là, deux tirs de carabine, ça les tue. Bon, voilà, soit, on est en facile. Donc voilà, il le dit lui-même, ils ont juste à tuer les ennemis. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas de la mythologie Halo, très rapidement, les Flood sont une sorte de race parasite extraterrestre, comme il en existe toujours plus ou moins dans les univers SF. Et ils ont été libérés, et en fait, le Halo de Halo 1 était là pour protéger l'univers, enfin la galaxie, ou le système, je ne sais plus où était cet Halo. Et malheureusement, on a réveillé les Flood, et ils ont réussi à se libérer malgré du coup la destruction de l'anneau. Ouais, c'est vrai que là, on a un peu le temps, mais c'est vrai que c'est le background de la saga Halo est vraiment très très très, très profond. Et bon, ça remonte à beaucoup plus loin que ça par rapport au Flood, mais bon, c'est un peu long. Peut-être que quand il y aura un blanc, on va revenir dessus. Mais ouais, en gros, c'était ça. Dans le 1, les Covenants ont malencontreusement ouvert un centre de recherche où les Flood étaient contenus pour de l'étude. Donc c'est le fameux premier le niveau qui s'appelle le Flood. Et malgré le fait que on ait tué le Halo, ils ont quand même réussi à se répandre avec les spores. Cette fameuse mythologie, et surtout du côté des Covenants, ça a vachement été poussé, notamment grâce à Halo 2. Ouais. On y reviendra un peu plus tard avec les points scénars divers et variés. C'est ça. Une fois qu'on verra le prophète du regret. Ah là là. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, par rapport à Halo 1, les Covenants, ce n'est pas une race en soi en fait, c'est un regroupement de plusieurs races aliens. Il y a les élites, les grunts, les jackals, les brutes, les prophètes, etc. Mais donc leur unité, l'alliance commune s'appelle les Covenants. Et, ils sont ralliés par la même cause, donc la cause des prophètes, qui ont pour but de faire le grand voyage. Et ça, le grand voyage, donc c'est là où on va revenir dessus plus tard. Donc là, on a bientôt, on est bientôt, là on doit, ah oui, là on doit faire tomber la station en découpant les câbles. Donc l'avantage des câbles, c'est qu'on est deux, donc on peut en tuer deux. Bon, enfin, il y en a un qui tue les Flood pendant que l'autre coupe les câbles. Il faut en tuer trois, si je me souviens bien, avec l'écran qui tremble de plus en plus à chaque fois qu'on les casse. Voilà, c'est bon. Synchro. Donc attention, voilà, paf. Voilà, il casse les deux en même temps. Et en fait, ça permet de casser les deux pendant la même frame, alors que normalement, on aurait dû attendre l'animation de la station qui s'écroule, etc. Donc là, on vient faire le travail de deux personnes en une seule, entre guillemets. Donc ça permet de gagner du temps, encore une fois. Donc voilà, là, après, on prend l'ascenseur, ce qui va nous ramener tout en bas de la station. On va pouvoir évacuer. Alors attention, le SWAT cancel qui va tenter. Ça va peut-être lui permettre de passer intégralement la... Attention. Aïe, il est mort. Non, il est pas passé, dommage, Monopoly. Donc voilà, en fait, ça lui aurait empêché de se trimballer toute la descente. Mais bon, c'est une perte de quelques secondes, encore une fois. Hein. C'est juste qu'ils essayent de montrer les techniques optimales. Donc là, voilà, ça nous permet d'accéder au Banshee de l'unité spéciale de l'hérétique. Et on va maintenant rejoindre justement ce fameux hérétique et on va voir le boss fight où, encore une fois, les Sword Cancel vont être très utiles pour le setup. Ah, oui. Ça récupère de nouvelles épées, tant mieux. Bah, par contre, je crois que je suis en avance. Ouais, je pense aussi, mais je sais pas si on peut faire un petit pause play là-bas. Monsieur Beef? Pourrais-je avoir un pause play s'il vous plaît? T'es à combien? Là, je suis à 50, 51, 52, 57. Ah, t'as 5, ah, t'as quand même 4 secondes d'avance. Ouais.
Alors, j'attends la... Là, je suis à 0, 3, 4, 5. Ouais, c'est à peu près ça. Ok, ça. Donc, on continue notre progression dans cette station. Save the grunts. Pas kill the grunts. Par contre, les élites, on les défonce. Donc ça c'est toujours pareil, c'est le système de hiérarchie. Les grunts, sauf en légendaire, si vous tuez les élites, ils sont paniqués et ne vous feront rien. Donc ils sont surtout utilisés pour faire des sword cancel, histoire d'aller un petit peu plus vite. Sauf Rudit, qui lui du coup est derrière Monopoly, donc il les massacre derrière lui. Et on arrive à la fameuse salle où se trouve l'hérétique, avec ses multiples clones. Sauf que, bah voilà, il s'est fait one shot. Ah, parce que normalement, quand on est seul, il y a toute une phase où il se dédouble, etc. Sauf que là, bah, ils ont réussi à avoir le quick kill parce que du fait qu'ils soient deux, ils peuvent détecter plus rapidement lequel est le vrai. Puisqu'il suffit que Rudy tire sur un, que Monopoly tire sur le second. Et si c'est ni l'un ni l'autre, et bah du coup, il a juste allé sur le troisième parce qu'il n'y a que trois clones. Donc ça finit la première phase avec l'arbiteur. Et on retourne sur... le Spartan 117. Encore des petites out of bounds entre guillemets, les sequence break. Apprécier les textures super développées parce que les développeurs avaient prévu hein, qu'on aille par là. Donc là encore une fois, normalement on est censé passer au milieu de petites vallées, etc. Bah non, là on skip tout le dessus. Ah, ces magnifiques arbres sont beaux. Oh là là, c'est beau. Mine de rien, à l'époque, quand Halo 1 était sorti, quand on faisait des zooms avec le pistolet sur l'herbe, il y avait très peu de pixels. Hein. C'était impressionnant pour l'époque. C'est vrai. Attention, là c'est le trick normalement avec le pont, sauf que le pont n'est pas encore étendu. Donc attention, il va faire un grenade jump. Avec le... Non, dommage. Donc là, c'est absolument nécessaire. C'est de faire le grenade jump avec le ghost, c'est chose qui est totalement hallucinante, pour pouvoir en fait ne pas se faire one shot par le tank qui a un magnifique angle sur vous, en fait, si vous passez par le pont. Ce skip là est assez compliqué puisque comme tu dis en fait on combine en fait deux techniques, le fameux le piqué de nez, ouais, le piqué de nez du ghost plus le grenade jump. Et c'est vraiment du pixel perfect pour le coup. Voilà. Le setup de l'angle est facile parce qu'il faut prendre en compte l'inclinaison pour avoir un semblant de saut, justement. Ah, bon, un petit hijack au passage, il est venu nous ennuyer. Ah, donc du coup il a récupéré un ghost supplémentaire, donc si jamais Monopoly rate, il va ressusciter. Oh là là, oh là là, wow, non, elle était complètement... elle était complètement foirée cette grenade-là, trop sur le côté. Il s'est fait avoir par l'inclinaison du terrain. Alors attention, maintenant c'est Rudit qui va le tenter. Et lui, il l'a eu. Bravo, le clapa. Donc ouais, pour une fois que Rudit impose sa dominance et que ce soit lui qui va justement téléporter Monopoly, il va pas se plaindre, je pense. Ouais, Rudit qui est sur l'écran du bas. Hein. Alors regardez encore, on monte les murs avec les ghosts. Les ghosts dans le 2 sont quand même assez pétés quand même, parce qu'il y a eu l'introduction du boost. Et ça permet de faire ce genre de choses. Parce que l'inertie est très 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 belle, comme vous pouvez le voir. Voilà, la limite à l'horizontale, à la verticale. On peut mettre dans toutes les positions le boost, c'est assez utile. Alors maintenant, moi qui me souviens plus trop du 2, parce que c'est celui que j'ai le moins fait, je m'en souviens encore moins. Ah oui, c'est vrai que là c'est le passage où on doit passer par toutes les ruines, effectivement. Oui. Alors regardez, là par contre faut être très vigilant sur la manipulation, parce que si jamais vous foirez, vous perdez votre ghost et ce serait problématique. Hop. Ouais, oui, et le chargement de la map, alors qu'il me semblait rien à voir. Alors c'est ici, si je ne me trompe pas, qu'on va croiser les premiers élites, justement la garde personnelle des prophètes. Ils sont assez stylés avec leur armure tout orange. Et voilà. Bon, après voilà, il y en a un qui se fait enlever le shield avec le plasma gun, ils sont en train de le tuer tranquillement, et l'autre s'est fait roqueter, il a droppé l'épée, donc hop, voilà, au revoir.
Il faut savoir que même en, finalement, même en casu, vous allez finir par jouer beaucoup à l'épée. Oui. Notamment pour ces fameux boosts de vitesse qui sont... Okay, ils sont assez plaisants et surtout ça tue même un élite en un coup. Dans certaines conditions. Ah non, je pense. Dommage. Vic qui a presque réussi, malheureusement il a un petit peu trop touché la texture du sol. Il faut savoir que le jeu de base, comme dans beaucoup de jeux au final, lorsque vous touchez une texture qui n'est pas dans un angle humainement, on va dire, arpentable, il va plus ou moins vous faire glisser de lui-même, même si c'est pas logique dans la vitesse de votre saut. Ouais, il l'a eu par contre là. Oui. Cette séquence légendaire est absolument atroce parce qu'il y a tous les snipers du monde qui vous one-shot. Qui est la raison pour laquelle je déteste les jackals là qu'on vient de voir spawn. Ça en fait ce qu'a fait Rudy très rapidement c'est qu'il allait marcher sur ce bord puis il est reparti uniquement pour lancer le trigger voilà. du muraille magique en quelque sorte. C'est ça, c'est pour ça qu'on a vu les jackals spawn et on monte un autre easter egg là, le High Ben. Sachant que les easter eggs, vraiment, Bungie adore en faire. Il y avait par exemple eu une déclaration de mariage dans le 1, d'un développeur à sa femme, ce genre de choses. Il y avait un grunt qui vous racontait ses problèmes d'alcool dans le tout dernier niveau du jeu, ce genre de choses. Tout et n'importe quoi. Alors, donc, on arrive à la fin de la séquence de rail. D'ailleurs, la fin de ce niveau marque le tournant, entre guillemets, scénaristique de Halo 2, vu que c'est la rencontre entre l'arbitre et John, le Spartan 117. Donc là on passe d'un monorail à un autre, avec des ennemis qui pop sur les autres monorails. Je crois que c'est le mot que je vais le dire le plus souvent ce soir en fait. Je m'y attendais pas, mais monorail quoi. Alors l'arbitre, je sais pas si ça a été dit, je vous l'ai dit au cas où, qui est envoyé en mission suicide. Hein. Parce que le but, en fait, le but des prophètes quand ils ont envoyé l'arbitre, c'était clairement de le tuer. Mais autant qu'il soit utile, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a été envoyé tuer les hérétiques. C'est ça. Il pensait pas qu'il allait survivre. Et au final, la rencontre entre l'arbitre et l'hérétique a eu un impact parce que du coup, l'hérétique a quand même réussi à installer le doute dans son esprit. Et c'est comme ça que justement, après avoir rencontré les Floods et surtout le Spartan 117, et bah, ils vont plus ou moins s'allier justement parce qu'ils vont découvrir le but du grand voyage qui est en fait de se suicider. Hein. Ils vont tout les prophètes veulent tout simplement activer les halos alors qu'ils ne savent pas à quoi ils sont justement destinés. Donc du coup, ils vont les empêcher d'activer les halos. C'est d'ailleurs dans le Halo 2 qu'on découvre qu'il y a plusieurs halos et non pas un seul. C'est ça, c'est la menace Flood, vu que finalement c'est vraiment l'arc scénaristique principal des halos. J'ai pas fait le 4, mais en tout cas des 3 premiers. Dans le 4, c'est la nouvelle trilogie, c'est totalement différent. Prend vraiment une dimension tout autre à partir de cet Halo 2, qui est à mon sens en fait plus ou moins le premier d'un diptyque Halo 2, Halo 3. Donc Halo 1 pouvait très clairement se suffire à lui-même. Voilà. Dans le 4, c'est une toute autre trilogie qui se lance, qui est centrée sur les Forerunners, donc qui sont en fait ceux qui ont créé toutes les installations que qu'on visite en fait dans les 3 premiers Halo, qui ont créé les technologies utilisées justement comme le Halo, ils ont créé les intelligences artificielles, donc le Guilty Spark, etc. Et en fait, il restait un Forerunner qui avait survécu et c'est lui le grand méchant. Mais on le tue à la fin du 4 et on perd aussi Cortana. RIP Cortana. Donc, du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens attendent le 5. Alerte spoil. En retard pour ça. Oh non, on s'en fout. C'est un spoil, mais pas sur. C'est un spoil, mais pas du jeu qui est en train d'être runné. Donc, je peux me le permettre. Bref. Je peux aussi spoiler que techniquement le sergent Johnson meurt dans les 3 halos mais ne meurt jamais, tu vois. C'est pareil.
Par contre, la fille de Keys, elle meurt pas, mais Keys, ah, attention. Bon, bah, ça c'est le 1, on s'en fiche, on se perd. Alors qu'on monte des skulls, on montre des skulls en bas, donc voilà. Rudy t'a récupéré le skull du niveau. Alors là, on a cette magnifique séquence subaquatique. Et oui. Voilà, monorail subaquatique. Ouais. Le jeu en use et en abuse, hein. Halo 2 spécialement. Alors là, ils suicident, vous pouvez vous dire est-ce qu'ils ont rien d'autre à faire ou quoi, mais ça permet aussi de refresh entre guillemets les armes qu'ils ont. Donc s'ils voulaient justement avoir un tout nouveau plasma pistol ou autre, et bah du coup, pouf, ça lui permet de le récupérer à 100%. Et aussi pour montrer comme quoi les armes tombent dans le décor en fait à travers la vitre. Toujours montrer les choses inutiles. Et donc du coup, comme le fait remarquer Monopoly, c'est le temps parfait pour lire des dons. Donc nous-mêmes on va rappeler les défis en cours et tout ça, donc je te laisse faire le PC, je ferai pour les défis. Ok, rappel très rapidement, c'est la GDQ 2015, ça se termine pour le stream normal demain, au profit de la Prevent Cancer Foundation, on en est déjà ouais, à $694,000. Après, et les défis français sont principalement pour FF7. Vite, donc voilà, le nom d'Aeris en FFT qui est 7ème, le nom de Barrett en Mamilani qui est 2ème. On a donc le défi principal à bourrer, même si là je vois qu'il a une sacrée avance, mais continuer au cas où. Red 13 nommé en Connor en l'honneur du père d'une personne qui lui est mort donc du cancer récemment, et enfin Tifa en Dream Boom qui est deuxième pour l'instant, mais de très loin. Retour au run. Continuez à bourrer les dons, bien entendu. C'est pour le cancer, tout ça. Contre le cancer, plutôt, tout ça. My favorite is when people ask if it's like a problem with the TV. And it's going through a stream capture device, so donc on arrive donc dans cette base sous-marine. Bien sûr, qui sera si je me souviens bien bien rempli de petits ascenseurs comme ceci. Et d'ailleurs retour. Ouais, il y a plein d'ascenseurs en fait, et ça va mener en fait à l'édifice le plus enfoui qui en fait est plus ou moins comme le tout premier dont on vient, mais en fait vraiment sous l'eau. Et c'est là qu'on va apprendre le mapping justement de tous les halos normalement. C'est ça. Et qu'on va croiser le premier prophète. Et c'est d'ailleurs là qu'on va se faire choper par le Hive Mind, le maître des floods. Mais bon, ouais, il y a encore une gondole, comme le dit. Voilà, ou plutôt que dire monorail, on va dire une gondole. Comme le dit Monopoly, il y en a encore une après ça. Le niveau typique anti-speedrun, quand même. C'est les auto-scrollers. Un moyen facile de faire des chargements cachés. Voilà, on retrouve l'épée, on va pouvoir se ramuser. Cortana ne meurt pas, je suis désolé de te décevoir, mais elle meurt. Enfin, en tout cas, c'est confirmé. Enfin, c'est pas confirmé, mais c'est très 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 fortement suggéré. Moi-même, je suis partisan du fait qu'elle ne meurt pas, mais bon, on ne sait jamais. Bref. Alors, c'est une IA. Voilà, c'est une IA, il doit avoir une copie quelque part. Donc voilà, on arrive dans le dernier édifice. Donc c'est là où il y a encore le monorail, voilà, le dernier dont parlait Monopoly. On a un gros largage de roquettes, ça c'est plaisant. Donc ils vont être super bien équipés pour les hordes d'ennemis qui vont arriver. Et surtout pour le boss fight qui va suivre derrière. Alors le boss fight où on va pouvoir parler d'RNG pour la première fois dans ce Halo. Beaucoup de Banshee. Alors Banshee, alors ça c'est une fonction que je regrette beaucoup dans le lance-roquette dans Halo 2, c'est qu'on peut lock les unités. Et les Banshee qui techniquement, à part dans un ou deux niveaux du 1, les Banshee on peut maintenant, vu qu'il y a la fonction du hijack, donc de prendre les véhicules pendant que les autres sont en train de les conduire, et ben on peut conduire des Banshee dans plus ou moins tous les niveaux où on en voit. Alors que dans le premier, c'est possible que dans deux niveaux.
dont un qui n'était pas supposé être fait. Mais de toute façon, oui, les niveaux de Halo 2 sont, sont généralement beaucoup plus ouverts. Et le manque de Banshee dans Halo 1 était clairement une limitation technique. Là, ils ont eu les sous de Halo 1 pour pouvoir augmenter tout ça. Et Halo 2, qui globalement est quand même beaucoup plus abouti que le 1, on sent que voilà, ils ont rodé la machine. Et au niveau de l'histoire, au niveau du gameplay, au niveau du design, au niveau d'à peu près tout, c'est l'idée généralement, finalement, mieux abouti. Voilà. On est en train de voir le bout du chemin. Il devrait y avoir normalement deux grunts qui vont spawn sur chacune de ces tourelles, sauf s'ils les ont déjà snipés. Voilà, ça arrive. Oh là, le Swordfly, magnifique. C'est pour ça qu'ils attendaient le spawn des grunts. Donc un autre Swordfly cancel pour pouvoir passer au-dessus de tout le monde. On gagne du temps et on va arriver enfin dans la salle où se trouve le prophète. Alors là, le prophète en coop, il est très facile. Donc là, il fait un Swordfly pour pouvoir lui atterrir dessus et on va le marteler de coups de poing. Et là, normalement, c'est l'aspect RNG quand on est en solo où en fait il va se TP à peu près partout. Sauf que là, bah, du coup, le deuxième joueur est prêt à le réceptionner. Et surtout qu'on est en easy, donc voilà, en easy il faut beaucoup moins de coups pour le tuer. Donc du coup, hop, Rudit va pouvoir faire la sortie du jeu directement une fois que Monopoly a tué le prophète. Et ça permet de gagner du temps. Donc ça, c'est le genre de petite optimisation qu'il y a en coop. Et on retourne chez l'arbitre. En fait, essayer de faire, c'était slider, enfin Monopoly, hein, je parle. Slider sur le bord, on a vu ça notamment, on peut voir ça dans Halo. Il y a certains bords qui sont pas tout à fait droits, donc qui permettent d'annuler finalement la vitesse due à la gravité et donc les dégâts qui pourraient se prendre en atterrissant. Ouais. Alors dans ce niveau-là, je me souviens plus exactement ce qui se passe au niveau de du scénario. Oui, il y a un glitch, je comprends pas bien. Ah, l'affichage là, ouais, ça c'est des... C'est un bug d'affichage, ça faut pas trop se soucier. Ça se trouve, c'est l'écran. Je ne sais pas. C'est pas voulu, en tout cas. Ne vous inquiétez pas. C'est optimisé le mouvement. The average viewer likes flashy stuff and at home sitting, but this is optimized movement and coordination here. It's ah, on a entendu un petit grunt là qui appelle le suicide. Je ne sais pas. C'est des petits glitches d'affichage pour ceux qui se demanderaient, qui ont été notamment corrigés avec les patchs, mais qui, on le répète, eh bien, ne sont pas installés pour qu'on puisse faire le Flying Sword glitch. Ah oui, ici on est avec les... C'est quand on est contre les brutes, je me souviens. Donc là, en fait, on a le chef des brutes, Tartaros, si je me souviens bien, qui a un super nom d'ailleurs, qui justement cherche à justement faire le grand voyage. Et il doit activer cette installation Forerunner pour pouvoir enclencher l'anneau. Donc du coup, avec l'arbitre, on doit l'en empêcher. talk about some of the optimization that they did for this game in single player versus co-op. They untextured a lot of things. Alors, they really like slowed the game down so that people could see what's going on. And that's why certain things like him blinking or boxes don't have textures in certain places. It's just to make the game run more optimized. Alors que les spoils se font nombreux sur le chat. Je crois que c'est de ma faute, mais bon, c'est pas grave. We complain about lag a bit, si vous plaignez du spoil maintenant, attendez FF7, vous allez être servi. De toute façon, voilà, je vais vous dire, nous on a une règle dans l'école où je suis. Tout jeu sorti il y a plus de 3 mois, c'est plus du spoil. Voilà. Alors. Mais on vous conseille par contre de jouer à la version Master Chief Collection qui est vraiment très 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 bien foutue. Alors, c'est tout et n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas grave. On va rester concentré. Donc la run, le glitch graphique, il est toujours présent. C'est vrai que c'est assez perturbant quand même. En fait, il y a une frame qui est restée sur l'affichage du dessus parce que j'arrive à voir un édifice en fait. C'est assez bizarre. Donc ça va être une erreur de loading, j'imagine.
Ou de façon, si on veut jouer RP, l'arbitre a un problème de persistance quotidienne. Voilà. Il a pris un coup de placement un peu trop près de l'œil. Alors. Mais sinon, bêtement, là, voilà, il arpente les couloirs, ils avancent. Les Floods attaquent de nouveau. Ouais. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait le Hive s'est bien joué de nous. Il nous a demandé pour l'intérêt commun des races d'aller arrêter le prophète, sauf qu'en fait il voulait utiliser l'installation Forerunner pour ses propres fins. Le double cross, comme on dit dans le milieu. Donc du coup on doit affronter à la fois les Floods plus les unités Covenant et Mi. Ce niveau est je crois que c'est le plus compliqué du run dans le en solo en légendaire d'ailleurs parce que il faut tout le temps tirer sur les modules pour les surchauffer pour que ça puisse s'ouvrir et le temps que ça s'ouvre un Flood est vite arrivé. Surtout qu'il n'y a pas de sequence break majeur dans ce niveau non plus, on ne peut que aller vers le bas. Il n'y a pas de moyen de tracer à travers les murs ou quoi que ce soit. On est vraiment obligé d'ouvrir ces espèces de réacteurs. Nordes, je t'aime. Tartarus par Tartaros. Ouais. Excusez-moi. En plus, le pire, c'est que je me suis dit après coup, mais je voulais pas me corriger. J'admets mon erreur. Voilà. Oui, ça c'est un ça par contre ce que dit Inamora c'est vrai. Le remis spoils games on l'a déjà dit. Mais ouais. Passons à autre chose. Donc on continue, là vous voyez que franchement on n'a pas tué un seul ennemi sauf Rudit qui se fait plaisir en bas. Mais Monopoly il rush de l'un à l'autre, là il arrive dans les conduits où on se laisse glisser, pas de dégâts de chute ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment juste aller d'un réacteur à un autre et descendre. I'm gonna grab a new sword here, and then we both get swords, and it makes sword flying and sword canceling and killing very fast on flood. The sword just one hits the flood. Alors du coup, il a récupéré une épée, mais bon, elle va pas être très utile pour l'instant. Faudra apprendre que Monopoly arrive tout en bas du checkpoint. Par contre, sur le chemin du retour, ça va être très utile, vu que de toute façon, l'épée one shot quasiment n'importe quoi dans le jeu. I'm gonna take the left half. He's gonna take the right half. We're just gonna try to clear it out as quickly as possible. Co-op is really really good for those random fights because you get to basically cut the spawns. Hop, voilà, on arrive dans cette vallée, la vallée de la mort, avec les pires phases de séquence de survie, on va dire, de vagues du monde. Donc là, vous êtes censé attendre que l'élite blanc, qui est en fait l'élite chef de la résistance, entre guillemets, le ramassis d'élite qui décide de se rebeller justement contre le prophète, à partir de là, il va vous aider et rejoindre votre faction. Et il vous envoie des renforts, mais qui mettent 30 minutes à arriver. Donc vous devez essayer de faire des... Vous pouvez trigger en fait les drops plus rapidement, non seulement si vous tuez les ennemis plus vite, ou si, comme Monopoly est en train d'expliquer, vous vous déplacez selon un certain pattern et vous trouvez un certain endroit à un certain moment. Donc là, bon, de toute façon, il one-shot tout ce qu'il trouve avec l'épée afin de pouvoir justement maximiser le temps qu'il a. Et il a eu des roquettes, donc il est content. Ça va lui permettre de les tuer d'autant plus vite. Hop, encore des Floods qui arrivent. Ils ont encore une deuxième vague de renforts qui va arriver également pour les aider. Ils ont des épées un peu partout par contre là par terre. L'avantage d'Halo 2. Donc, les spawn kills à la roquette des floods, on va dire porteurs de mini floods. Et il y a le dropship qui est arrivé. Donc là, ils sont assez satisfaits parce qu'il est arrivé relativement vite. En fait, plutôt que de se dire qu'il faut trigger les dropships, il faut se dire que c'est le fait que les renforts arrivent qui vont trigger le fait qu'on pourra justement progresser. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça arrive le plus vite possible. Et voilà. Donc là, ils l'ont fait relativement vite. This is a section with the last big auto scroller of the game that's no fun. It's about 5 minutes long, but donc là on a automatiquement un ghost. Et c'est une très longue session en solo où on doit justement avancer.
en ghost. Il y a normalement des tanks à tuer et d'autres ghosts en chemin, sauf que encore une fois, on va tout éviter, passer directement de l'autre côté. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est un boat ride avec la musique rock anthem. Elle est trivia nulle encore une fois, mais bon, quand même bien la musique, avec la musique qui a été faite par Steve Vai pour les amateurs de rock. Alors ici, il va faire encore une fois la magnifique inertie du Ghost, alors qu'il y a eu des petits lags, eux-mêmes sont étonnés. Ça lui a permis de skipper 25% de la route ici. Oula! Il a failli, ça a failli là. Et voilà, il a perdu 2 secondes lui-même, j'adore. Il rebondit sur ses pattes lui-même sur son commentaire. Ouais, c'est pas grave, j'ai perdu 2 secondes, mais bon, je suis vivant. Donc on continue de rusher, toujours avec le ghost. Normalement, on est censé ici sortir du ghost, sauf que bah, avec un petit peu de manipulation de l'arrière du ghost, on peut passer. Par contre, comme il le fait remarquer, Rudit, lui, alors qu'il était dans un ghost, n'a pas été TP avec le ghost parce qu'on considère que normalement, cette phase, on n'est pas censé être dans un véhicule. Donc Rudit bah, ne peut pas continuer, il doit attendre encore une fois que Monopoly avance. Donc on avance, pas grand chose à dire. Qu'est-ce que c'est qu'il fait ? J'oubliais d'appuyer sur le bouton, je parle depuis environ 5 minutes tout seul. Ah zut. Donc voilà, là il utilisait beaucoup justement la technique dont je parlais tout à l'heure avec le boss. You can get on the gondola and nothing happens and you sit there and you're sad. Le fait d'appuyer sur le frein, frein qui existe depuis le Halo 1 en fait, techniquement, c'est juste que personne ne l'utilisait, sauf pour faire du drift avec le Warthog à l'arrière. Mais c'est vrai que sur le Ghost, c'était déjà utile à l'époque. Hein. Utiliser le frein pour aller plus vite, c'est quand même très méta. Ouais, mais c'est les paradoxes du speedrun. Donc le dernier chargement. Et voilà. Et la fin du niveau. This section, it's a 5-minute wait. Normally you have to be down below and kill enemies. On va encore attendre dans là. Encore un monorail. Plus jamais. Mais là, ils ont un skip. Donc là, on les voit encore magnifique inertie. Ils sont en train de monter le haut de la plateforme. Si vous regardez la caméra de Rudit en bas, vous voyez à quel point c'est ridicule. Et vous pouvez en fait clipper. Hop, et vous êtes complètement safe. Plus personne ne peut vous toucher. Donc ça rend le monorail complètement gratuit. Donc ils vont assister, on va dire, sans aucune capacité de les aider à la mort normalement des élites de leur équipe, mais je pense qu'ils s'en fichent. Ils sont même contents de les voir mourir eux-mêmes. Donc voilà, il leur dit qu'on peut lire des dons, etc. Alors on va regarder l'état. Alors Mamilami est toujours second pour Barrett. Connor, on a une avance confortable, mais bon, faut pas se relâcher là-dessus. Et Iris, je pense que c'est mort. Et Dream Boom, toujours second pour Tifa. Ouais, voilà, Mamie et Connor, hein, le reste, ne vous en souciez pas, je pense que c'est... Enfin, surtout Iris, hein, c'est une peine perdue. Dans les deux sens du terme, si vous voulez ce que je veux dire. J'aime beaucoup le nom qu'ils lui donnent, les Américains, de toute façon. Ouais, Toji Sucks, j'ai pas compris encore ça, par contre. Non, oh là là, Halo Speedrun qui fait du Make It Rain parce qu'ils ont fait un don. Ah, ça c'était planifié. Le Gwak. Voilà. Iris qui s'appellera sûrement Shenbin et c'est amusant. Ah là, maintenant j'ai envie de sortir mon gif de Make It Rain moi-même. Nordes, je compte sur toi sur le chat. Montre-leur ce que c'est. Bah voilà, ils ont dit que tout l'argent qui vient justement de faire tomber, ils vont le donner. Donc ils ont dit environ $140, donc c'est cool de leur part. Donc c'est toute la crew de Halo Speedrun qui est derrière eux. Just tab away, quit watching this run for 5 minutes, donate all your money, and then come back, and we'll be doing cool things again. Donc là, il le dit lui-même, hein, ils sont vraiment en face de Monorail pendant encore 5 minutes, donc nous-mêmes, on a d'autres choses à faire, hein, donc relisons le chat avec les 2 minutes de délai IRL.
qui réagissent, il y a deux. C'est sûr. Alors les défis, là, il y a les défis FR. Si on peut rappeler un peu les défis qu'il y a en général encore sur le stream, enfin, je veux dire sur le long du marathon. On a toujours le save versus kill the animals. Le Tazbot 2, lui, a déjà été remporté, c'est sûr. Mais il reste encore les finales de Super Smash Bros. Melee, c'est une habitude, hein, pour qu'elles soient streamées en bonus stream. On a le Glitch Exhibition aussi de OT, il me semble qu'il n'est pas encore atteint. Et à côté de ça, bien, je crois que c'est tout, parce que le Child Dungeon Blindfolded c'est déjà fait. Donc voilà. Oui, là, les gros incentives sont atteintes. Il reste, oui, comme tu dis, il reste finalement que le mini final. C'est Adventures ça. Mode Speedrun et puis le OT Glitch, mais sinon. On est bien. C'est vrai que malencontreusement, j'ai lancé le débat des spoils pendant les speedruns et compagnie en parlant d'Halo 4, mais ça va faire une magnifique transition tout à l'heure quand je reviendrai pour FF7 quand même. Parce que justement, ce sera l'un des sujets dont on parlera pour le chat pendant la run en intégrale. Donc, c'est clair, on aura le temps. Là, on a été un peu pris de court parce qu'on a essayé de reset le delay par rapport au stream, mais là, je ferai les petites présentations et de ça avant. Vous verrez. Donc, ça sera vers minuit. Après Dark Souls 2. But the problem is if you miss it, you fall down the hole and it brings you back to the beginning of the elevator. Alors. It's a really cool sword fly though. Relatively new in the route of Halo. Ah, Mickey Train, voilà, apparemment ça vient d'arriver sur le stream. My just gut instinct and we're just gonna hope it works. The trick with sword flying, like I said, is enemies have to be standing still. If they move while I do this, then I'll just stop right above them and I'll fall to the ground and die. N'empêche, cette séquence, normalement, quand vous êtes sur le monorail, elle est tellement légendaire, encore une fois, mais c'est tellement la mort. Et là, on voit les flous de Ichi, il profite du paysage. De toute façon, Halo se joue en légendaire. Hein. Ah, oui, évidemment. Il n'y a pas d'autre moyen de jouer. Mais c'est simple, j'y arrive d'une main, tout le monde peut y jouer. Restons. Ah, ça y est, Monopoly est enfin sorti. Il a d'ailleurs fait un clipping pour arriver plus vite dans la base. Donc ça y est, on reprend le speedrun. Et on s'approche tout doucement de la fin, mine de rien. Le run est propre, hein. Malgré 2-3 erreurs assez grossières, mais... Comme tu disais tout à l'heure, de toute façon, c'est pas la catégorie la plus runnée non plus du jeu. Non. Il y a un run. Et donc là, en fait, on a retrouvé un vieux scarab avec l'arbitre. Et là, on est re-TP directement avec le Spartan qui s'était fait capturer et qui est directement dans la base ennemie. On vient de le libérer. Et les doubles Needlers. Needler qui était encore à l'époque complètement cheaté. RIP le nerf dans Halo 3. Mais le Needler qui était quand même pas... qui était intéressant si on arrivait à vider son chargeur. Oui. Dans le 1 il était sur-cheaté, dans le 2 il l'avait déjà un petit peu nerfé, et puis dans le 3 ils l'ont complètement enterré. Alors, voilà, on sent qu'il y avait les équilibrages du multi qui a impacté sur le solo. Oui. Alors donc là, on vient de faire un magnifique super jump complètement inutile, mais juste pour le fun avec Monopoly, avec l'arrivée de l'ascenseur. Parce qu'encore une fois, bon, Halo, finalement, Halo 2, le plus gros problème en speedrun, parce qu'en casu, on s'en fiche un peu, c'est quand même, justement, voilà, tous les événements, beaucoup d'événements du jeu sont timés et finalement, il faut attendre. Voilà. Alors là, c'est Cortana qui s'infiltre dans le vaisseau bataillon ennemi, qui va vous ouvrir à peu près toutes les portes. Alors là, le but, ça va être d'être propulsé, si je me souviens bien, justement, jusqu'à l'installation Forerunner qu'on voit sur le haut de votre écran dans le fond. Alors ici, encore un petit skipping, pouf, on n'attend pas l'ascenseur, c'est pas besoin, on survit, les dégâts de chute sont assez ridicules, de toute façon, si on s'accroupit d'ailleurs lors d'une chute, on peut amoindrir les dégâts également. That's the small movement tech I'm talking about on this map, the slide jumps, the quick
Alors les portes, encore des portes, toujours des portes. Donc là on croise surtout des brutes, un peu moins d'élites. Parce que justement les élites sont ralliées justement soit d'un côté à l'arbiteur en majorité. Donc il reste vraiment que les brutes qui sont restées fidèles au prophète. Ce qui explique pourquoi Tartarus sera le boss de fin. J'espère que vous ne considérez pas ça comme un spoil non plus. Le mode normal d'Halo c'est héroïque, pas faux, oui. Et le mode hard c'est légendaire du coup. Donc un ascenseur, enfin pas un ascenseur mais un flux antigravitationnel, on se laisse porter. Monopoly en profite pour tuer quelques grunts sur le chemin. Alors est-ce qu'ils sont devant leur run PB? Non là ils sont clairement derrière. Leur PB, je rappelle, le world record c'est 1h22, je vais arriver, 1h22 et 13 secondes. Donc là encore une fois, les spawns des ennemis anticipés, à chaque fois derrière les portes, ils se prennent 2-3 carabines. Et on passe au suivant, on se positionne pour la vague suivante également. Vous pouvez le voir surtout avec Monopoly, parce que Monopoly lui est placé non seulement pour la vague, mais aussi pour pouvoir se déplacer derrière, alors que Rudit lui il sert juste à clean. Rudy's just gonna clean up enemies because we're gonna do another enemy skip if he kills enough of them, or not him specifically, just if enough of them die before we get. Alors, il parle d'un enemy skip, donc comme on avait dit, c'est le fait de pouvoir enclencher la suite des événements si un certain nombre d'ennemis meurent. Donc, il faut que Rudy te tue un certain nombre d'ennemis pour que le chemin soit libéré pour Monopoly. On va voir s'ils vont réussir. Hop. Alors Halo 2 c'est un rail shooter. Alors vu le nombre de monorails qu'on a vu depuis le début, c'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Mais je ne pense qu'il n'y a... Il y a pas assez de réticules, de visées, de zombies et d'House of the Dead dedans. Donc non, c'est quand même un FPS. Donc a priori ils vont... Ah attends, j'ai écouté les explications. Ah, ils ont fait... voilà, c'est ça, l'ennemi skip, comme vous pouvez le voir. En fait, ils se sont accroupis avant que le spawn d'ennemis n'arrive. Parce qu'en fait, les ennemis sont morts en chemin. Le fait qu'ils étaient accroupis considérait qu'ils étaient hors de la map, donc les ennemis sont morts eux-mêmes, c'est assez ridicule. Donc ils ont évité, c'est quoi, c'était juste une petite vague avec deux jackals et deux grunts, donc ça, c'est pas ça qu'ils auraient, qui aurait vraiment causé souci, mais bon, c'était juste un petit trick sympa. Ça sauve 4-5 secondes, comme il le dit lui-même, mais bon, c'est toujours appréciable à voir. Donc on a vu un autre Sword Cancel pour passer au-dessus du brut. Et on atterrit sur la partie extérieure. Alors les parties extérieures, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile parce que il y a la gravité en moins. Donc là on vient de le voir, un magnifique sword fly encore une fois. Ça a permis d'éviter toute la vallée. Et on arrive directement dans un autre monorail. Bon, au moins ceux-là sont courts. C'est juste une espèce de petit TP, on va dire. Là, encore une fois, on va utiliser les décors pour pouvoir passer au-dessus de toute la map. Donc, celui-là, encore pour le coup, il est plus ou moins prévu. Un grenade jump, toujours facile en extérieur pour pouvoir passer de l'autre côté. Il faut voir que la gravité, comme tu disais, est plus faible du coup. Tous ces petits glitches de déplacement sont quand même beaucoup plus efficaces. Hop. Yeah, you can skip the waiting animation as you land in the lift if you can time some very precise crouches. Rudy got one. Unfortunately, it didn't save time, but it is really cool to hit. Hop, un sword fly en utilisant je me souviens plus de les noms cette unité ennemie, mais moi je les appelle les mouches. So I'll be in front of him on this, but I'll immediately move out of his way. He'll go and actually open the door for me. Et pouf, le loading qui a été fait. Rudy qui rejoint Monopoly, ils vont pouvoir continuer d'avancer ensemble.
Mais ouais, c'est assez répétitif hein, cette soirée. Oui, oui. C'est à noter qu'Halo 2 est aussi le Halo où il y a le plus de missions, il y en a 15, contrairement aux 10 généralement dans les autres Halo. And I'd never seen it before, and I'd had the world record on this game for years. Like, I started speedrunning this game, and I think 2005 or 6, I don't know. It's hard to remember. Monopoly qui raconte une histoire comme quoi il a découvert un nouveau trick il y a quelques temps, alors qu'il a eu le world record depuis des années. Et justement, bah, si quelqu'un l'avait utilisé aussi bien que lui, remet le jeu, bah, ils auraient pu prendre le world record depuis un moment. I got it. Okay, so I saved about 2 seconds there. Really nice Swedish guy. Immediately got into the Halo community. Un Suédois apparemment qui a découvert ce trick. Je n'ai pas encore compris de quel trick il parlait, mais on va voir. Ah, il dit que ça va arriver. Ah oui, il a pris le world. Très beau Swordfly encore une fois là. Il est vraiment pas facile à placer. Celui-là, c'est un des plus difficiles, exact. Alors, enfin, vraiment, c'est parce que voilà, il a eu le Suédois a trouvé un trick et justement, il a pris le world record de Monopoly, justement, grâce au trick qu'il a trouvé. Ouais, juste le temps pour Monopoly de le maîtriser. C'est ça. Ah, oh, celui-là est bien. Oh, notre sword cancel encore. Ouais, il tire dans les barils pour éviter qu'il lui stoppe la vitesse. Hunter qu'on évite. Ah, il l'a pas. Ah, là, il rate Et il rate les plus faciles, c'est assez ironique. Donc là, il suffit de juste cleaner la salle, par contre, c'est nécessaire. C'est les élites blancs les plus difficiles à tuer. Il y a des codes de couleurs en fait, ça fait bleu, rouge, ensuite il y a du jaune, du noir et pour finir le blanc. Alors là ils ont fait un autre ennemi skip parce qu'il dit qu'ils ont tué tous les ennemis relativement vite, ce qui fait que certains ennemis en fait n'ont pas eu le temps de spawn, donc il n'y en a que quelques-uns. Mais bon, de toute façon, vu qu'ils ne vont pas les affronter, c'est pas nécessaire. Oh là là, ils s'amusent avec lui, c'est beau. Et voilà, le fin du niveau. Il reste plus que deux niveaux. Il reste ce niveau avec l'arbiteur et après il y a le niveau final. Donc là, c'est le niveau où l'arbiteur va organiser la rébellion donc des élites contre les brutes. Ils reviennent justement sur la planète où tous les élites avaient installé leur base et ils se sont rendus compte que les brutes ont fait un massacre. Donc du coup, c'est la vengeance. Tabasser du singe. Du gorille. Un crowd jump raté, il va retenter. Voilà, il a repassé. Donc ça me permet juste de perdre gagner quelques secondes. On avance. Un autre Swordfly. Par contre, là, les brutes ne sont pas coopératifs. Ça bloque le passage de la porte. Hop. Voilà. On a esquivé des gros goûts, hein, du coup, en faisant ça. Ouais. Alors, la gravité a changé? Non. La gravité, techniquement, il n'y a que dans le tout premier niveau où on est dans l'espace. C'est juste que dans les passages en extérieur, dans le niveau qu'on avait avant, il y a un semblant de flottement, en fait. C'est ça. Voilà. Donc là, l'utilisation de la camo pour se placer pour faire le Swordfly, il n'est pas atterri sur le rocher, mais c'est pas grave parce qu'il a quand même fait le skip de la phase, un rocket jump et on passe sur le toit du niveau. La gratuité, encore une fois, et il va pouvoir se diriger tranquillement sur la fin. Ah bah tiens, il est en train d'expliquer le fait que Halo 2 soit justement le seul qui ait 15 niveaux. Wouh.
Yep. You can trigger... Oh, I didn't hit. Okay, that would go. Ah, okay, il a fait le trigger de la cutscene. You can see my dead body hop cutscene there. On a vu les armes et son corps. Ça, c'est les particularités des cinématiques dans Halo. Hein. C'est déjà valable dans, le Halo, dans Halo 1. Où, lorsque vous mourrez lors d'une cinématique, on voit votre corps ou les armes, etc. qui restent dessus. Donc, le dernier niveau avec le Spartan. Et ensuite, ce sera le tout dernier niveau du jeu tout court. Donc là, on doit faire l'assaut sur la base Covenant qui a été affectée par... Enfin, qui va être, pardon, affectée par les Floods. But I'm not complaining because it makes the speed run about 5 minutes faster. Fait un petit retour en arrière. Voilà. Donc là, c'est à partir du moment où les on aura bientôt les c'est-à-dire le niveau où il y a les, à la fois l'arbitre et le Spartan plus ou moins en coop, c'est-à-dire qu'on les croise quand on joue avec Master Chief, on va croiser l'arbitre lors du niveau. Sur des choses qui expliquent pourquoi aussi on a toutes les armes covenantes, etc. Donc là, il est en train d'essayer de scoper les brutes pour pouvoir faire le Swordfly. Magnifique, dommage qu'il soit mort. Ouais. Donc c'est pour ça en fait qu'il fallait que le snipe avant qu'il arrive à destination parce que sinon le brut l'aurait bloqué, donc c'est ce qui est arrivé, donc tant pis, il faut utiliser encore une fois les flux anti-gravitationnels pour se laisser porter, c'est un petit peu plus long. Now Rudy gets his time to shine, fly through the level. Rudy grabbed rockets at the start and then I teleported him away, some of you may have saw. The rockets are going to come in handy at the end, we have to kill some enemies. Alors ils ont récupéré des roquettes qui vont servir pour la suite, donc ça c'est un spawn aléatoire encore une fois sur les floods. Les petits passages dans le noir pour la flippette, il a chopé une épée, énergie d'énergie. Encore une fois c'est nécessaire pour les floods. So you can see how fast the sword is and that Rudy was about 5 seconds ahead of me and now I'm already next to him. Donc là il explique comme quoi l'épée est rapide parce qu'il était loin derrière et qu'au final avec l'épée il a fait exprès de demander à Rudy de ne pas tuer le Jackal pour qu'il puisse faire le Swordfly, il était juste derrière lui. Donc là on constate le dégât des floods sur le vaisseau mère Covenant. À ce moment-là du jeu, il y a encore un prophète qui est vivant. C'est ça. Prophète de la vérité. Ah, peut-être que je dis une bêtise et que ma mémoire flanche, mais je crois que c'est le premier jeu où on voit des floods Covenant. Oui, c'est exact. En fait, enfin, je crois que dans le 1, on en voit aussi techniquement, mais ils sont beaucoup moins marqués que les floods des Marines. Là, ils ont mis la particularité d'avoir mis les overshields sur les floods, et c'est à ça qu'on les voit surtout. Parce que dans le tout dernier niveau, dans The Maw de Halo 1, il y avait déjà des floods qui avaient des camos. Et ça, c'est une particularité vraiment Covenant. Donc c'était à ça qu'on savait qu'il y avait déjà des élites. Donc là, la porte Way Monopoly ne peut pas s'ouvrir avant que tous les ennemis soient morts. Donc c'est Rudy qui va s'en occuper. Hop. Voilà, les ennemis là sont spawn, la porte s'est ouverte, donc du coup il peut le rejoindre. Ils ont juste besoin de tout clean. Et on se dirige vers la porte au fond de la salle. Le checkpoint qui est atteint, ce qui va permettre à la porte de s'ouvrir. Et on arrive sur la salle de commande, pardon. Encore un ascenseur et on peut voir au loin la fameuse structure Forerunner qu'on avait déjà vue lors du dernier niveau. Salzbourg, ouais voilà, ça n'allait pas être aussi proche de moi. Alors attention, le Swordfly dans la salle avec les anneaux et la... Ah dommage, j'ai fait ralentir mais bon c'est pas très très grave. Ah, théoriquement il peut le faire en un seul Swordfly. Voilà. Et la fin du niveau. Et le tout dernier niveau, le niveau des véhicules, parce qu'il en faut toujours un dans les Halo. La structure est en train d'être activée par Tartarus avec l'index.
Donc voilà, l'objectif est très simple. On va tuer Tartarus et empêcher l'index d'être activé. Sachant que l'index a la particularité de ne pouvoir être manipulé que par une humaine. Enfin, un humain en l'occurrence, mais là ce sera une humaine, ce sera la fille du commandant Tease qui a été capturée quelques missions plus tôt par Tartarus justement. Alors ce magnifique vaisseau que l'on voit sur l'écran de Rudit qui n'est présent que dans Halo 2 pouvait permettre de porter jusqu'à 4 personnes prévues pour le multi. Ça n'a pas été un succès d'ailleurs vu qu'il n'est pas revenu dans Halo 3. And we were able to do that by just basically pressing left trigger and X at the same time. Oh, on rentre avec le ghost. It puts the grenade inside. Ah, comme d'hab, on va à des endroits où on n'est pas supposé aller. Il y a de fortes chances qu'il meure ici. Ouais, parce qu'il va se faire tirer dessus le temps qu'il fasse le saut, mais il a réussi, donc ça va. Donc, par contre, il récupère son ghost, sauf que là, il se fait troll par les brutes. Oh, c'est bon, ok, le brut avait pris le ghost, mais bon, du coup, ça lui permet d'avoir l'animation d'invincibilité, entre guillemets, de leur dual jack. Donc on continue. C'est vraiment n'importe quoi Donc on progresse. Là, ce sont déjà des structures qu'on reconnaît par rapport à Halo 1, hein. C'est les mêmes environnements. Donc là, il faut tuer 3 brutes pour pouvoir faire en sorte que la porte s'ouvre. Donc il ne va en tuer que 3 et pas plus. En fait, comme il l'expliquait juste avant, c'est par rapport au nombre d'unités ennemies possibles sur le même écran. Vu qu'il y avait 3 brutes derrière la porte, il a fait en sorte de justement tuer 3 brutes avant la porte pour que le nombre maximum de brutes autorisées soit respecté. Et on arrive au scarab, qui est d'ailleurs le scarab que l'on va prendre pour arriver jusqu'à la structure Forerunner à la fin. Donc là, on fait un peu de backtracking pour pouvoir redescendre. Right there, we turned around and went backwards to deload some AI on the map. If you flip the load zones back and forth, alors la raison pour laquelle ils sont retournés en arrière, c'est pour avoir enlevé des IA de la carte, ce qui permet justement de faire moins de loading. Et surtout, comme on l'a dit, voilà, que ça fasse plus rapide. Mais là, nous, on a juste à prendre les Banshees, on a le Scarab que l'on doit escorter en tuant normalement tous les tanks qui seront à la surface. Sauf que du coup, avec ce déloading, il n'y a plus de tanks, ce qui est utile. Donc on peut se permettre d'aller directement à la structure en ignorant complètement les Banshees qui ne font pas assez de dégâts sur le Scarab. Et on va arriver vers la fin. On voit qu'il reste un peu moins de 3 minutes pour respecter le world record, mais normalement, comme ils l'ont dit, ils ne sont plus en pace. Non. À mon avis, ils seront à peut-être 5 minutes au-dessus. Ouais. Mais pas beaucoup plus, je pense. Enfin, ça se terminera autour d'une 28. Alors là, ils font du taxi driving. Alors ça, c'est pas possible dans tous les Halo parce que dans Halo 1, par exemple, si vous montiez au-dessus d'un ghost et que le ghost se mettait à conduire, eh bien, vous allez l'écraser automatiquement. L'Aladin, voilà, avec le tapis volant. Alors l'intérêt, en fait, de faire ceci, il va être expliqué plus tard, c'est parce que vu que le scarab est pas encore... Ah, bon, ok, d'accord. Voilà, j'allais le dire, c'était juste en fait pour patienter le temps que Scarab arrive, parce que le Scarab est le trigger pour la suite des événements. Donc là, par contre, faut que Rudit remonte tout en haut, hein. On voit qu'on ne meurt pas. Ouh, il se fait tuer par les tanks qui ont spawn du coup. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à le choper? C'est la mission suicide. Le tir de. Ça devient risqué tout ça là. Donc, du coup, il a décidé de tuer les Wraiths d'abord, les apparitions. Alors, c'est juste les strats du swag, hein, c'est pour montrer que tout est possible dans ce jeu. Ah, wrecked. Le friendly fire, il a décidé qu'il allait en fait le faire respawn tout en haut plutôt que de s'emmerder à le refaire monter sur le capot. Il reste encore une minute. Ah, par contre, c'est serré.
Parce que le Banshee est vraiment pas... Oh, il a dit... Voilà, ça c'est les problèmes parfois dans le jeu, hein, le spawn. C'est au moment où on touche une surface qu'on, où on peut atterrir, bah, du coup il a fait spawn, sauf que bah, l'issue est passée, donc ça l'a fait spawn dans le jeu. Et il lui a volé son Banshee au passage. Le qui dit tu veux aller vite ou... D'ailleurs dans Halo 2 c'est il y a pas encore les commandes il me semble de Banshee mais je suis plus sûr, on peut déjà faire les tonneaux avec les Banshee dans le 2 ou pas, ou c'est que dans le 3? Oui, mais c'est dans le 2. OK. Donc là on est dans le 1, t'as une espèce de commande mais elle est à l'envers, on peut faire des petits surcotés mais oui. Alors la raison pour laquelle Mamie précisait comme quoi Monopoly, enfin Rudy disait tu vas aller vite ou non, c'est parce que du coup Rudy t'as dû perdre du temps pour aller chercher le sniper dans le spawn sur le côté. Et là le Scarab est enfin en position, il va utiliser le laser Scarab pour enfoncer la porte, enfin la barrière plus ou moins, et ensuite la porte. Et ça permet de rentrer à l'intérieur et on a le fight final contre Tartarus. Alors normalement le fight est censé être, lui il nous attaque au marteau, on doit juste en faire en sorte de d'enlever son shield et ensuite le bourrer, sauf que là ça va être relativement plus rapide. Donc là tel que vous voyez, tant qu'il a cette espèce d'aura autour de lui, il est invincible. Sauf que si on lui tire au plasma dessus, là l'aura est en train de s'enlever comme vous pouvez le voir. Et donc du coup il s'est fait gangbang par les autres élites avec les épées qu'il y avait, plus le shotgun, hein, dont l'intérêt d'avoir deux personnes. Et du coup Tartarus s'est fait tuer très vite. Et une 22-58. Et time, voilà. Donc ils sont à peine 45 secondes en retard sur leur run de World Record. Donc très très belle run. Et là, voilà, Cheese très pessimiste. Vous avez fini en 1:26. That's about the pace of the single player run, so we're about 3 minutes off the current co-op record. Bien sûr, excitez-vous sur le chat dans 2 minutes. Tout de suite. Run très sympathique, très propre. Et je sais pas pour toi, mais moi j'aime beaucoup. Mais j'espère qu'on aura de plus en plus des runs co-op. Ouais. Je trouve que ça met une petite ambiance supplémentaire quand ils sont deux. Je trouve ça sympathique. Mais c'est vrai que le fait de justement pouvoir prendre le temps de montrer les petites choses à droite et à gauche, c'est très utile en tout cas. Bon, en tout cas, ça met fin au bloc FPS. Et donc là, on va attaquer Dark Souls 2. C'est ça. Donc Dark Souls 2 en compagnie de Tori, Twino. Et Yamato. Un jeu pour que beaucoup de gens attendent. Beaucoup de gens attendent. Donc du coup, moi, vous allez me retrouver après Dark Souls 2 pour FF7 avec Iwa. Pour toi, je ne sais pas. Je crois que c'est fini, en tout cas. Eh bien, pour ma part, c'était le dernier. Ok. Sympathique, en tout cas, cool le commentaire de ta compagnie. Ouais, de même. Merci le chat de votre présence et gentillesse. Bourrez les dons pour Prevent Cancer Foundation et des bisous. Voilà. Alors on va faire un cut, un autre. On va retenter de supprimer ce délai intempestif. Voilà, je ne citerai pas Bif, mais voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut. A tout de suite. And keep it tuned to awesome games done quick. We will be right back with Dark Souls 2 by Ogonam.